Wolves asleep in midst the trees. Bats all a-swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goosehugs and rays. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher. Mais ta gueule! Ne me déconcentre pas pendant que je fais l'intro de ma vidéo. Donc on se retrouve dans ce nouvel épisode de The Witcher habillé en templier. Et oui, parce qu'on est beau hein, comme ça. C'est mieux que la veste qu'on avait, la veste dégueulasse. Et on se retrouve non pas là où on s'était arrêté, mais dans la fabuleuse ville de Kul'Terrier. Hein. Kul'Terrier, oui. Bah, écoutez, il faut donner des noms aux villes. Ils ont fait avec les moyens du bord. Je les mâche, parce que c'est meilleur, on ressent plus le goût, n'importe quoi. Et donc on se retrouve tout à côté hein, du marais des moires, évidemment, puisque c'est là où nous devons aller. Donc on va y aller. Alors, hop. Donc hein, comme vous avez pu le voir, il s'est passé... quelques petits trucs entre les deux épisodes, hein, un petit épisode bonus qui fait plaisir. Évidemment interdit au moins de 18 ans parce que il faut bien. J'allais pas le mettre tout public, après les enfants ils vont être choqués, les parents ils vont me contacter et tout ça, ça va être relou. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, attends, attendez, je ne sais plus jouer. Aïe, 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 je sais... Aïe, 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 mais oh, calmez-vous. Est-ce que je suis sur Quen? Là, ok, là ça commence bien. Non. Hop là, et j'ai toujours pas de sandwich au poulet, donc... qu'est-ce que... Ah non, non, pourquoi j'ai fait ça? Non. Merci. Putain, mais ils sont partout. Dégage! Dégage! Aïe! Raté. Non, vous ne mourrez pas, les deux en un coup. Et toi, il te reste plus que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, puisque je vais te tuer. Voilà, on est d'accord. On va récupérer ce qu'ils ont, on sait jamais. Ils ont peut-être des trucs intéressants, pas du tout. Alors, c'est par là, l'objectif c'est par là. Donc on va aller voir les noirs de Tolstechin. Les moires, pardon. Ah, pas les noirs, hein. Oh, mais c'est pas possible! Évidemment, nous sommes dans un marais, on va les zapper, ceux-là. C'est par là-bas. En plus, on doit aller à l'entrée du marais pour ensuite re-rentrer dans le marais, donc c'est un peu inutile. Voilà. L'entrée du marais, c'est bien ici. Oh. Belle statue, examinée. Avec des bonbons! Ah, les bonbons! Mange les bonbons. Mais non, mange-le! Ah non, il y a des vers. Ah, c'est dégueulasse! Ah, mon dieu! Ah, le trap! qu'est-ce qui se passe? Ça fait un drôle de bruit, je sais pas si ça s'entend ou pas. Je suis sur la bonne voie. Non, sérieux? On a parlé de statues et de bonbons, t'as trouvé une statue, t'as trouvé des bonbons, t'es sûr qu'on est sur la bonne voie là, t'es sûr. T'es sûr de toi. Encore des bonbons? Je peux pas examiner. La musique est bien glauque, ça doit pas être ça qu'il faut examiner, qu'est-ce qu'il faut examiner? Ah, j'ai pas d'enfant en même temps, hein. Allez, évidemment, des noyeurs. Qu'est-ce que... Pourquoi il fait ça? Ça bug complètement, hein, les gars. Voilà, évidemment, j'ai été touché, c'est pas grave. Hop là! Pas du tout. Aïe, 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 aïe. Oh, tu m'as gavé! Voilà, allez, meurs. C'est pas grave, je prends des vies inutilement, mais vraiment grotesquement même. Oh, il y en a un autre là-bas, mais c'est pas possible. Viens là. D'où il m'a...
m'a touché. D'où j'ai pas eu le temps de faire. J'ai eu le temps de refaire là. Allez, crève. On va ramasser. Mais c'est bizarre ce bruit. Donc du coup on va chercher. Là il y a encore un truc ici aussi de ce côté. Ah mais faut juste suivre, c'est tout. On va suivre. Voilà. Ouais, en gros il faut suivre le chemin. Oui bah tu suis le chemin, j'ai même pas besoin du truc de sorceleur. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la musique qui fait ça? Non, ça, la manette elle vibre aussi. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas. J'espère que ça va pas s'entendre. Au pire, c'est pas super gênant non plus. On dit que c'est dans la musique. Hein, hein, c'est dans la musique, pas vrai? Ah! Une villa. La hutte des sorcières. Alors, qui sont ces moires? Le chien avait très faim, il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc, il en a fait du pâté. Mais... Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Mais c'est très glauque ce que vous dites. Chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. 1, 2, 3, celui qui ira chercher du bois c'est... toi. What? Drôle de comptine. J'avoue. Partez, je vous connais pas. Ok, ciao. Ah non. Alors, vous n'aurez pas vu une fille aux cheveux cendrés, je cherche une sorcière, que faites-vous dans le marais? Non. Nous, on cherche la fille aux cheveux cendrés. Perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés ou pas, hein. Et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? Ah, c'est moi. Ah non, je suis pas une femme, c'est vrai. T'es pas une femme. T'as pas de nichon. Po-po-po. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leurs nichons sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Dit comme je l'ai entendu. Super. Elle est en danger. Non, on s'en fout, je veux pas sauver cette femme. D'autre ici. Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à six yeux. L'arbre a dormi toute la nuit. What? Mais il y a Jeannot aussi. Ah, ce bon vieux Jeannot. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Et c'est qui elle? C'est Jeannot? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Je ne coucherai pas avec toi. Tu es très moche. Qui est Jeannot? C'est qui Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. What? Surveille ton langage. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Mais c'est très bizarre tout ce qu'il dit. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non. Mais t'as des verrues de partout sur la gueule. T'as même une verrue sur le nez. Il est beau, mon nez. Pardon. Voyez? Non, il est dégueulasse, ton nez. Oh, ma chérie, tu es vraiment un homme. Dégueulasse! Bon, allez, je cherche quelqu'un. Je faisais que leur parler, c'est tout. Dis-moi où est Siri. Pour savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Oh, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. Ouais, mais on s'en fout, c'est, ça date. J'avais tressée par ma mère, et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vu. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Mais non, c'est pas encore. Fille. Mais non, non plus. Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles? Mais ta gueule, dis-moi où est Siri. Peut-être qu'on leur a fait du mal. Oh là là. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains, on va aller attraper des criquets. J'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Bah, tu es complètement folle. Chose. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. » Vilain mot, méchant garçon, entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Ça va, c'est Jeannot qui se gratte le cul.
Mon dieu. Faudrait que je me rase cette barbe. Hein. Commence à pousser. Ah, on a quand même eu... la grand-mère. Alors, allez à la hutte et parlez au garçon. Je veux savoir ce que tu sais sur Jeannot. Alors bah, déjà, on va essayer de passer le pont. Ce qui n'est pas une mince affaire. Adieu, grand-mère. Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Oh, ben, je suis rentré. Juste, écoute. Parlez au garçon. Interdit, interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. Mais tais-toi. Tu veux plus me parler? Où est Jeannot? Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Où j'utilise mon épée. Partez. Hein. Trouver une astuce pour éloigner grand-mère de la hutte. On va foutre le feu! Ha ha ha! Ah! Y'a le feu! Grand-mère! Y'a le feu! Non. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Y'a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Ah! Ou c'est un monstre ou il n'existe vraiment pas. Vous voulez bien m'aider? La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Putain, j'ai pas que ça à foutre. Allez, d'accord. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. Ses chaussures, elles font plouf, plouf, plouf. Il croit qu'il va nous trouver facilement. Tu connais pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux. Quoi? Et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. What? Un. Les escargots d'eau. Deux. Hein? Les escadrons noirs? Pourquoi? Quel rapport? 18. What the fuck? 19. 20. Attention. Me voilà. Voilà. Bande de petits chenapans. Bah oui, évidemment qu'il faut utiliser les... Le sens des sorceleurs, donc il est passé par là, allez, allons-y. Pourquoi je peux pas passer? Si je peux passer. What? Ah, il est là! Te voilà. Je t'ai trouvé, en plus la plus chiante. Hein. Ah oui, je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu crois? Alors, allons chercher les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé dans les marais? Je pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Cherchant des traces de pas. Donc là, il y a quelqu'un qui est passé par là. Aha ! Là, il est monté là-haut. On peut pas monter ? Comment on fait pour monter ? Tu es très gentil, mais je ne peux pas monter. Je dois pouvoir monter quelque part. Hein. Là. Voilà. On est d'accord. Mais par où il a pu aller? Là, il y a un trou. Non? Allez, monte. Wow, wow, wow! Ne glisse pas. Il doit bien être passé quelque part. Où c'est qu'il est allé? Quoi, je peux monter sur ça, là? Pas du tout. Ah bah d'accord. Il a glissé dans le foin. Sors de ta cachette, je te vois. T'es deg ou pas? Bon bah épisode cache-cache, hein, super. C'est vraiment passionnant l'épisode cache-cache. Donc maintenant il manque qui? Il y en a une là, hein, je crois encore. Non, quatre. Donc il en manque deux. Dans la maison, très bien. Village des orphelins du marais de Torséchine. Ah, là, je te vois. Te voilà. T'es pas si bien caché que ça. Hein. Oh,
Je suis un putain de sorceleur, mec. Mec ? Non. Jeune fille. Et le dernier, où il est le dernier ? Je vais te manger. Je vais te manger. Pas du tout, hein, je n'ai pas faim. Merde, il est où ? Y a pas les traces de pas par là ? Ah, ah, ah ! Je te vois ! Je te... What ? Ah, il est passé par la fenêtre, je me disais. Le mec, il est passé par la... Il est passé à travers le mur, normal. Donc on va faire le tour. Alors où tu es? Tu es passé par là. Tu es passé par là, ensuite par là. Tu as fait ça, tu as sauté, tu as fait une galipette là. Tu as fait un salto arrière, je sais pas pourquoi. Et tu es... Tu t'es arrêté derrière une feuille. What? Pas vrai. Vous voulez bien nous apprendre un sort? Oui, non. Le sort de fermer ta gueule. Ouais, ça tenir. Non, pas du tout. Je ne suis pas si méchant. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Ah, merci. Ces petites boules là au-dessus des épaules, ça me... On dirait des petits boucliers qui ne protègent que dalle. Des antennes. Des paraboles. C'est gamin. Allez, en mode fourbe. Cache-toi, cache-toi. Tu n'as rien à craindre. Je te vois. J'ai rien à dire. Rien du tout. Allez, balance, petit. Sinon, je contrôle ton esprit. Où est grand-mère? Dans ton cul. Elle est occupée. Mais dans ton cul, c'est ce que je dis. Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Elle me fait flipper, cette grand-mère, n'empêche. Vous avez tous si peur, t'as peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a... Sa tanière, donc c'est bien un monstre. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète. Pour Jeannot. Mais what? Elle dit aussi qu'il n'existe pas. D'accord. Bon, on allez, où est Jeannot? Du coup, c'est peut-être quelque chose. Il vient de dire qu'il n'était plus là. Pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Ça dépend de, pas de, mal. De sa réponse. Oui. Grand-mère aime bien. Non, promets rien. Pendant la cueillette, l'autre jour. Il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Ah! Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Très bien. Merci. Bah, c'est par là que nous irons. Fais pas la gueule, gamin. Tu m'as été d'une grande aide. Merci. Elle est où, la grand-mère? C'est bon, elle est pas là? Qui a dit cul? L'autre, elle s'est fait piquer. Qui a dit cul? J'ai dit pas d'insulte. What? Pardon. Qu'est-ce que... Il n'y a rien pour vous ici. Ne faites pas peur à mes enfants. Ne faites pas peur à mes enfants. Ha ha! Mais non, je ne leur ferai pas peur. Allez, allons-y. Allons voir Jeannot. Hein. Le nom complètement bof. Jeannot, quoi. Putain, ils auraient pu trouver un autre. Ah, évidemment. Ah merde. Exact. J'avais pris Igni. What? Ok. Ça avait complètement bugué. Et lui... Aïe aïe aïe. Aïe aïe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Gonade aquatique. Viens là toi, gonade aquatique. C'est pas le truc qui explose là par hasard? Putain, mais il me touche à chaque fois. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a un squelette d'un... Oh, d'accord. C'est une maman qui a perdu son enfant. Ah, mon épée, elle est cassée, merde. Si Jeannot existe, voilà.
Je devrais trouver des empreintes de pas. Ouais, mais d'abord je veux ramasser ça. Dents de gonade aquatique, ok. Alors, voyons voir, des traces de pas. Où sont les traces de pas? On va ramasser ça, tant qu'à faire. Des cerveaux, hein, là. Oh putain, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est des... Ah, mais c'est des pas humains? Des empreintes okay. d'enfants. Jeannot est passé par ici. Ah non, c'est les empreintes de l'enfant, ok. Je vois pas le rapport, hein, mais si tu veux. Allez, on suit les traces de pas. C'est dur dans les marais de suivre des traces de pas. Hein. Il y a des arbres de partout, mon dieu. On peut pas casser les arbres. Non, non, non. Il me fait tourner en bourrique. Ça me fait peur, tous ces petits bruits, là. Très bien, c'est par là. C'est par là. Suivons les traces de pas. Mais arrête de tourner, purée. L'objet de tourner à chaque fois. Il est allé dans l'eau. C'est quoi ce bordel? Ah non, il a tout... Ah non, il a fait un petit virage de merde. Oh l'encul. Pardon. ok, ok. Par là, par là. Allez, allons-y. Accélérons un peu. Voilà, c'est par là, c'est par là. Hop. Fais le tour de l'arbre. Évidemment. Pourquoi? Arrête de tourner, bordel. Je vais jeter un œil. Ah ah, mais c'est tout petit. Ah, on va appeler Jeannot. Jeannot! Viens ici, il y a le match qui commence! Jeannot. Allez, viens ici. Oh, précieux. C'est carrément Gollum. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, c'est un enfant. Oh. Renié par la grand-mère. Un lutin, alors? Non, c'est un enfant. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Ah non, pas du tout, en fait. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vu? Beau spécimen. Bah vas-y, parle! Depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Mais tu vois pas qu'il sait pas parler? Pourquoi? T'as mal à la bouche? Quelqu'un t'a mis un gros truc dans la bouche? Ok, ouais. Bah ouais, tu es muet, la question code. Non, sérieux! Pourquoi? Quoi? Tu as perdu ta voix? Bah ouais, d'ailleurs, c'est pas possible puisqu'il a dit qu'il aimait bien les chansons de... T'aider. D'accord. Allons chercher la voix. T'es sûr que tu l'as pas paumé derrière un caillou, hein? Allez, d'accord, c'est bon, je te suis. Mais oui, bien sûr qu'il veut qu'on le suive, c'est compréhensible. C'est vraiment nécessaire? Quoi? Pourquoi il a dit non? Viens là, Jeannot. Où tu vas, Jeannot? Reviens là, Jeannot! On n'a pas fait notre partie de pétanque! Oh putain, encore! Où tu vas? Évidemment, il faut que tu passes par là. Ah, il fait le tour. C'est bon. On peut peut-être les éviter. Ah non, il veut que je les tue. Sérieux, là? Oh! C'est pas possible, hein? Non, 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 tu ne mourras pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Oh! D'où je l'ai raté? Allez, Jeannot, t'es où, Jeannot? C'est bon, Jeannot, il n'y a plus d'ennemis. Ce nom, merde. Remarque, hein, Gérard et Jeannot. Putain, c'est Gérald, mais bon. Gérald, Gérard, c'est pareil. On fait une bonne team, hein, Gérard et Jeannot. Bah, où tu vas, là? Il y a une montagne, tu vois pas qu'il y a une montagne, là? Ah, on peut grimper. C'est ici?
Qu'est-ce qu'on cherche ? Sa voix, le mec, il est complètement perdu. Oh ! Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix. Oh, tu m'emmerdes, hein. Tu veux que je grimpe, c'est ça ? Non, sérieux. Évite de sourire, s'il te plaît. Enculé. Okay. Je sais pas ce qu'il y a en haut de la corniche, hein, mais on va monter. Hop là ! What ? Je l'avais clairement. Et mon dieu, mais tu ne sais pas sauter ? Amène-toi, allez. C'est moi ou c'est des griffes ? Ah, c'est quoi ? C'est des gargouilles. Wouah, des harpies, d'accord. Ça va qu'on peut les tuer dès qu'elles sont à terre. Allez, viens là. Allez, meurs. Merde. Quoi, c'est tout? Bon, ça va, c'est relativement facile, les harpies. Ah, j'ai eu un œuf. Je vais pouvoir élever des harpies. C'est cool, ça. Allez, ramasse la voix. Bouteille voilà, fermée. La fameuse bouteille. Ah ! Personne n'a parlé de bouteille, hein, mais j'ai bien compris que ça devait être, la voix devait être enfermée dedans. Genre un peu à la Ariel de, évidemment, la petite sirène. Hein. La 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 la. Pas du tout. Allez, parle. Tiens. Tiens ta voix. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxygru. Quel bonheur. D'accord, c'est lui qui apprend toutes ces conneries aux enfants. Doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon, tu as fini. Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Okay. Longue vie à toi. Hey, ah, ça va, il parle bien, mis à part les gros mots. Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Ouais, mais écoute, moi je veux savoir. Je cherche une jeune femme. Je cherche une femme. Ça te dit quelque chose ? Comment pourrais-je oublier ? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, j'ai pied face au soleil levant. Quel pied ! Ah, j'avoue. Soudain, je suis d'accord avec toi. Franchement, on peut s'entendre. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Ah merde. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Non, sérieusement. D'accord. C'est qui la femme qui habite dans le village du Marais ? Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée ? Folle alliée. Oh, tu me rassures. On est d'accord. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines ? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais ? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Ouais, enfin, t'as une sale tête quand même. Du coup, si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants. Ah, je m'en fous de savoir c'est qui les moires. Au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille pauvre ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait ? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. What ? C'était quoi cette carafe d'or ? What the fuck ? Il y a une carafe d'or qui est apparue comme ça. La carafe d'or peut se téléporter entre plusieurs régions. Elle apparaît mystérieusement parfois devant un enfant.
pourtant. N'importe quoi. Ok. Oh là là, vous m'énervez. C'est plus l'heure là de se battre. C'est l'heure d'arrêter la vidéo. Ah putain, là, j'avais pas vu. Un de moins. Reste toi là. Ah mais pourquoi il. Pourquoi il a pas fait la roulade là? Oh Jeannot. Oh, il y a un feu. Qu'est-ce que c'est que ça? On éteint. Bon, on va suivre Jeannot parce que là, on n'a pas que ça à faire. Allez Jeannot, conduis-moi au village. Je sais où c'est le village, t'as pas besoin de me conduire en fait. Hein. Allez, cours, je te suis. Pourquoi il fait. C'est quoi cette obscurité là? Ah, mais il fait nuit. D'accord, mec. Saleté d'arbre. Nous y sommes. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Ah, parce que normalement, les moires, elles sont dans ce village, d'accord. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une étincelle lui dit des fadaises. Ah merde, je croyais qu'il chantait bien, moi. Tu as retrouvé ta voix ? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Haha, très drôle. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Trop marrant. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Allez, dis-moi tout. J'hésite. J'ai envie qu'elle me conduise au moir, mais en même temps... On va demander pour la fille aux cheveux sans mal. Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non. Non, je cherche la dame. Oh, tu m'emmerdes. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. Sage comme une image. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, c'est normal, en même temps. Je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu. Gentil gamin. Et seules les dames très, peuvent très la retrouver. Très gentil, ce gamin. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Ah, merci. Suivez-moi. Je t'ai dit de pas sourire. Où sont Jeannot les moires? Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste qu'elles disent. C'est un tableau. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Les moires, évidemment. Manque de jugeote, hein, un peu. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Wow! What the fuck, elle montre Comment ses dents? Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Ah merde. Je ne vous imaginais pas comme ça. What? Mais on ne les voit pas. Vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Non, pas spécialement. Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Allez, on va droit au but, hein. Tu ne perds pas de temps, je vois. De parler avec elle. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai?
As-tu peur des bêtes de la forêt? Tu veux voir ma... Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterné. Oula. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissants. Eh, on comprend pas ceci, aux cheveux cendrés. Comprends rien à ce qu'elle dit, celle-là. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à la calotte de ses morts. Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Quel dû? Et maintenant, ah, il faut retourner à Cuterrier. Bon, t'apporter la dague. Bon, nous y étions. On sait où c'est. Quoi? Quelle dague? Faut tuer quelqu'un? Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Ah! J'ai eu peur. J'ai cru qu'il fallait tuer l'échevin. Je pas vais fait parler ça à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, va? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Ah, mais m'appelle pas Toison Blanche, s'il te plaît. On n'a pas élevé les poules ensemble, hein. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. J'apporte la dague. La dague. Complètement glauque, hein. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Ah, je sais, j'étais là. Wow! Qu'est-ce que cette dague? Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. C'est quoi? C'est les noms de famille des persos dangereux? Eh bien, c'est sur ça que nous allons nous laisser. La prochaine fois, nous irons à Cuterrier, hein, donc parler à l'échevin pour qu'il donne son dû et que nous puissions rembourser les dames pour qu'elles puissent nous dire où est Ciri, puisque c'est elle que nous cherchons. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Hein, Gérard et Jeannot dans nos prochaines aventures. Bisous à tous, bye bye.